te croise un jour, foutu banane, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, pardon. J'espère que vous allez bien, les potes. Regardez un petit peu où je suis. C'est notre toute nouvelle base. Regardez comment c'est grave luxueux. On a des lance-missiles, des tours et tout ça. Il y a même des trucs, je sais même pas à quoi ça sert, wesh. Et pour ceux qui savent pas, on a changé de base parce que l'ancienne, elle a brûlé. À cause de cette foutue grimace. Heureusement, j'avais une bonne assurance incendie. On a pu se payer tout ça. Apprêtez-vous à vivre dans le luxe, les potes. Lève tes mains en l'air, le cactus. Sinon, je t'explose avec mon pompe. Hé, hey, tu sais à qui tu t'adresses? Je suis le roi des cactus, t'as pas le droit de me faire ça. Ferme-la. Tu vas me suivre. Ta place est en prison. Je vais suivre personne, t'es dans ma base, c'est, je fais ce que je veux, ok? Il croit quoi, lui? Va te promener dans les bois. Tu ne m'échapperas pas, le cactus. Trop cool, il se réveille. Hé, hey, le voleur, viens ici. On a un compte à régler tous les deux. Hein? Mais, attendez. Quoi? Mais, vous êtes mon assureur. Vous pouvez me dire pourquoi je suis en prison? Fais pas ton petit malin avec moi. T'as essayé de frauder l'assurance. Tu as écrit que ton ancienne base valait 1 million de Robux. Donc nous, on te les avait donnés. Mais on a découvert ton petit jeu, mon gars. Hein? Mais il y a une erreur. En plus, c'est même pas moi qui ai rempli ces documents. J'ai pas menti, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ça, c'est pas mon problème. C'est toi le propriétaire de la maison. Donc c'est toi qui vas payer. Payer? Mais payer quoi, wesh? J'ai même pas d'argent de poche en ce moment. J'arrive même pas à me payer à goûter. Ben, si t'arrives pas à payer, tu vas rester en prison, tout simplement. Et si t'essayes de t'enfuir, t'auras les flics à tes trousses ou même les chasseurs de primes, ok? Allez, je me casse. Je suis pas un fraudeur! C'est pas moi qui l'ai fait! C'est qui encore qui... Oh, c'est Jason qui l'avait rempli, cette feuille! Moi, je sais comment te sortir de cette galère. Si tu fais partie de mon équipage, eh ben, on va partir en quête du One Piece. La légende dit que quiconque trouvera le One Piece verra ses rêves réalisés, car c'est le plus grand trésor de tous les temps. Un trésor? Hey, mais attends, je te reconnais, toi, t'es Luffy. Un jour, j'ai invité un gars qui te ressemblait, mais je crois que c'était un fake. Ouais, effectivement, c'est un gros fake. Ah, foutu fake. Mais sinon, je veux bien trouver le trésor, car tu sais, Luffy, j'ai un rêve. Accumuler un max de fric, comme ça, je pourrais acheter le monde entier. Et je serai le roi du monde. Moi, grâce au One Piece, je veux être le roi des pirates. Badass. Mais pour ça, il faut qu'on parte d'ici. Je vais me transformer, regarde. Hop. On va partir d'ici d'abord. Waouh, toi aussi t'as mangé un fruit du démon? Hein? De quoi tu parles? Eh ben, un jour, j'ai mangé un fruit quand j'étais petit. Grâce à ça, je suis tout caoutchouteux. Comme un élastique. Waouh, génial, ça doit être trop cool pour la bagarre. Allez, téléportation. Et voilà, téléportation instantanée. Attendez, mais je suis en train de rêver, là. Vous prenez du bon temps, en faisant bronzette tranquillement, et personne ne m'a invité? Commence pas à nous saouler. Oh, ça va, tu peux venir à côté de moi, si tu veux. Non, impossible, avec cette odeur de poisson, jamais. Ouh. Attendez. Ah, Madison, toi aussi, tu me trahis? Moi, je pensais que tous les bons moments, on les passait ensemble. Wesh. On a essayé de te contacter, mais tu étais injoignable sur ton téléphone. Ben ouais. Mais ça, c'est en cause de Jason, ça encore. Pfff. Apparemment, t'as essayé de frauder l'assurance et j'ai été enfermé. À cause de toi, je paye toujours tes pots cassés de tout. Oh! Waouh! Regardez-moi ce bateau! Si on trouve pas le One Piece avec ça, je comprends plus rien. Ouais, je compte le voler d'ailleurs. Snacky et moi, on est en train de préparer un plan. Non, surtout pas. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la Team Cactus. Avant de voler, on demande. Mais là, comme ça, notre ami Luffy, on va rien faire, ok? Oh, mais allez, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Je comptais jeter Snacky sur le bateau. Il allait tout faire après. Ah là 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 là, que quelqu'un lui apporte ses médicaments, s'il vous plaît. Il redevient ingérable. Bon, allez, je dois vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous tenterait de tous me rejoindre pour trouver le One Piece? C'est le plus grand trésor de tous les temps. Si vous avez un rêve, eh ben vous allez pouvoir le réaliser. Ah, du poisson à volonté. Ah, je pourrais avoir une mégatonne de cornichons. Moi, je veux vivre sous un cocotier à Tahiti, et être riche aussi. Grâce au One Piece, je pourrais financer n'importe quelle de mes recherches scientifiques. Et je pourrais rendre le monde meilleur. Moi, je pourrais avoir un anneau ultime. Moi, j'aimerais tellement protéger la nature. Je rêve de créer mon propre réseau social. Eh ben, tout ça, c'est possible. Il faut qu'on trouve le One Piece. Moi, mon rêve à moi, c'est d'être le roi des pirates. On va prendre mon bateau et partir à l'aventure. C'est parti, les cactus. Allez, venez. Non mais Luffy, nous, on n'aime pas l'eau, frère. On va stepper pour te rejoindre. Waouh, mais ton bateau, il est trop stylé, Luffy. Wesh. On dirait qu'il a été fait pour nous. Par contre, on est vraiment obligé d'être des pirates pour trouver le One Piece. Luffy? Mais bien sûr, t'as l'air pas accoutumé de la vie de pirate.
Pirate, c'est être libre, les amis. On va où on veut, on fait ce qu'on veut avec nos amis. Et on essaye d'accomplir nos rêves. Trouvons le One Piece. Des pirates, donc il y aura plein de batailles. C'est cool. Mais comment on sort d'ici, en fait? On est bloqué, on peut même pas prendre l'océan. Comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Ben, je suis tombé dans un ouragan et après, j'ai atterri ici. Téléporte-nous vers East Blue. Je me suis pas trompé au moins, Luffy. Pourquoi y a un cirque devant nous? Bizarre, je connais pas cette île. Elle est pas référencée, je pense. Mais je propose qu'on aille voir, les amis. Ouais, c'est parti, les amis. Partons à l'aventure. Allez, qu'on avance. Mais, il avance pas, le bateau. Capitaine Luffy, qu'est-ce qui se passe? On est trop proche du large, il y a peu de profondeur, on doit y aller à la nage. Va falloir se mouiller, les cactus. Bah, je peux me téléporter les pattes, vous inquiétez pas. On va pas subir le supplice de l'eau. Par contre, attendez, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Parce que juste à côté du cirque, il y a une ville qui est complètement détruite. C'est bizarre, quand même. Ouais, mais l'aventure, Luffy, l'aventure. Bonjour à vous, mon public. Vous êtes prêts pour le spectacle? Non, on n'a pas envie d'un spectacle. Sérieux, t'as déjà détruit notre ville. Ça se fait pas. Pourquoi tu nous forces à faire ça, maintenant? Bah, dis le clown, fait ce qu'il a envie, ok? Soyez heureux que je vous fasse un spectacle, déjà. Alors, qu'est-ce qui est comique et qui a un nez rouge? Répondez-moi et vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Toi? Bravo, bravo, bravo. Merci. Maintenant, vous allez tous rigoler immédiatement. Mais c'est pas comique. C'était même pas une blague, en plus. On vous a demandé de rire, alors rigolez tout de suite, sinon je vous poignarde. Baggy le clown est le pirate le plus drôle. Il se passe quoi, ici? Oh, on a un public, on dirait. Vous êtes là pour assister au spectacle? Ouais, on veut bien rire. Mais pourquoi vous prenez en otage des gens? Quoi? Tu parles d'eux? Mais est-ce qu'ils ont l'air d'être pris en otage, vraiment? Bah ouais, complètement. Aidez-nous, je vous en prie, aidez-nous. Cactus, c'est des pirates. Malheureusement, il y a des gentils pirates et des méchants pirates. Et eux, c'est pas des gentils. Qui es-tu, toi? Je t'ai jamais vu. Moi, c'est Luffy, et voici mon équipage. On est en quête du One Piece. Et bientôt, je vais être le roi des pirates. Toi, le Greg Allais, un roi des pirates? Rigolez avec moi, vous. Luffy, est-ce que je peux m'occuper de lui? Il lui manque vraiment quelque chose à ce type. Et en plus, je crois qu'il a pas donné. Enfin si, mais c'est ce gros truc rouge. Eh, y'a un nez qui se cache sous la boule rouge ou pas? Ou c'est 100% réel? Ne te moque pas de mon nez! Bon, désolé Capitaine Luffy, mais j'y vais. Wesh, il a carrément perdu sa tête. J'ai essayé de pas taper trop fort pourtant. Waouh, il est cool le spectacle. Bon, bah c'est fini du coup. Il a dû finir. Tu pensais que c'est ça qui allait me tuer? Bon, je vais devoir me battre sérieusement alors. Mais avant, je vais demander un truc à ma team. Les amis, si vous mettez un like sous cette vidéo, ça veut dire que vous allez jeter une tarte à la crème sur le clown. Ça serait cool qu'on atteigne 5000 tartes. C'est une bonne idée, ça, mon roi. Merci, Madison. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et de vous abonner avec la cloche si c'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour l'entartrage du siècle.